vous réserve ce mois d'août, les Verseaux. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir tirer votre carte du mois. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali Dit la Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années. Je réalise des consultations par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Dit la Tarot et à consulter les informations présentes dans la description ci-dessous la vidéo. Donc j'utilise ici le tarot de Marseille, je vais tirer deux cartes pour ce mois, une carte pour le début et le milieu de mois, une deuxième carte pour la fin de mois, et je rajouterai d'autres messages du tarot Morgan Greer, qui est une des variantes du Rider-Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons. Allez, que vous réserve ce mois d'août? Quel est votre horoscope du mois d'août, les Verseaux? Allez, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de mois? Nous avons la force. Pour cette fin de mois, nous avons l'étoile. Alors, j'ai cette sensation que durant ce mois d'août, vous espérez un changement ou un déblocage de votre situation professionnelle ou personnelle. Alors, pour ce début et ce milieu de mois, vous allez devoir vous montrer déterminé, courageux et fort dans l'adversité, parce qu'il y aurait des obstacles et des blocages auxquels vous allez devoir vous confronter, et je vois que vous allez réussir à surmonter tout ceci parce que vous avez cette force en vous, cette force intérieure pour reprendre la situation en main, prendre la situation à bras le corps et réussir à atteindre vos objectifs. Alors il est vrai qu'il y a une réussite au bout, mais pas sans effort et sur du long terme. Alors ça peut aussi parler de votre état émotionnel qui pourrait être en dents de scie. Il y aura des hauts et des bas, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ça peut aussi signifier qu'il y aurait des rapports de force au niveau personnel, au niveau professionnel, et vous allez devoir vous battre, relever pas mal de défis pour vous affirmer et vous réaliser. Pour cette fin de mois, nous avons l'étoile, une carte magnifique, une carte qui parle de guérison émotionnelle, qui parle d'espoir, qui parle aussi d'aspiration. Vous êtes protégé également parce que vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous et qui va vous apporter ce dont vous recherchez. Alors, ce n'est pas une lame très active, il est vrai, c'est une carte d'attente, mais vos aspirations et vos espoirs, vos projets ont de fortes chances de se réaliser grâce à l'étoile. L'étoile est une carte magnifique, luminaire, qui apporte de la lumière, et j'ai cette sensation que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement à la fin de ce mois d'août. Je vais rajouter d'autres messages du tarot Morgan Greer. Je vais commencer par la force. Ah, une carte est sortie du jeu. Je vais la prendre en compte. Et nous avons le 8 de denier. Alors effectivement, vous allez devoir fournir énormément d'efforts. J'ai cette sensation que les Verseaux pourraient être très occupés. Ça peut parler d'un surcroît de tâches professionnelles. Vous pourriez justement supporter énormément de tâches et il sera important pour vous d'être reconnu pour votre travail et vos compétences. Vous êtes à la recherche d'une reconnaissance professionnelle ou d'une reconnaissance personnelle. Et je vois vraiment être concentré sur ce que vous faites, sur les actions que vous allez entreprendre. Ça peut même parler d'apprendre un nouveau savoir, d'apprendre une nouvelle activité professionnelle ou même personnelle ou spirituelle. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous affirmer.
Je vais rajouter un autre message pour l'étoile, cette fin de mois. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 4 de bâton. Donc, vous seriez à la recherche de stabilité, à la recherche d'une sécurité émotionnelle et matérielle, d'une abondance, d'une prospérité également. J'ai vraiment cette sensation que vous espérez que votre situation se stabilise, que votre situation progresse, évolue de façon positive, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous avez vraiment besoin de reconnaissance, c'est très marqué pour ce mois d'août, et cette reconnaissance, vous allez l'obtenir, et j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir vraiment vous accrocher, vous battre. Ça peut aussi signifier avec la force de vous battre contre une certaine adversité, donc ça peut parler de situations négatives ou de personnes négatives. J'ai cette sensation très forte que vous espérez enfin que vos projets aboutissent. Donc là, je vais vous faire tirer votre carte grâce au tarot des anges gardiens que voici pour ce mois d'août. Allez, quel est le message pour vous des anges pour ce mois d'août ? Allez, je vais tirer trois cartes que je vais disposer devant vous. Hop. Voilà. Nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc, concentrez-vous, surtout ne réfléchissez pas, faites le vide dans votre tête et tirez votre carte. Allez, je vais commencer par la carte numéro 1. Qu'avons-nous? Nous avons 7 de la pensée que voici. Je vous lis son message. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, effectivement. Vous avez pas mal de rêves, d'aspirations que vous souhaitez réaliser, mais il va falloir réellement prendre sur vous. Et c'est ce que je vous vois faire en ce début et ce milieu de mois. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Effectivement, je vous vois très occupé, je vous vois travailler dur et tout ce travail que vous allez fournir va finir par payer et vous serez réellement récompensé. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup, exactement. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Faites également une pause, essayez de faire la part des choses, essayez de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est très bon pour vous de travailler dur parce que vous avez besoin de cette reconnaissance. Mais il est aussi important de prendre un certain recul pour réfléchir, analyser votre situation et pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons le 9 de l'action. Très, très jolie carte, comme vous pouvez le voir. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Effectivement, il y a vraiment cette notion de protection. Pour les Verseaux, pour ce mois d'août. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. J'ai vraiment cette sensation que vous allez être très entouré durant ce mois. Ne vous inquiétez pas. Si voilà, votre situation vous semble confuse, vous semble stagnée, n'évolue pas comme vous le souhaiteriez, vous êtes en quête également de reconnaissance, cette reconnaissance tarde à venir, j'ai cette sensation que vous allez pouvoir vous réaliser. Donc restez patient, les Verseaux. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons gardien de la pensée que voici. Carte très, très drôle, je trouve. Allez, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants.
Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place, aux sentiments. Alors oui, j'ai cette sensation que vous pourriez aussi vous faire conseiller par un personnage qui pourrait vous apporter de bons conseils, qui serait judicieux de suivre, et tout ceci vous apporterait cette stabilité que vous recherchez. Ou ça peut être vous, vous pourriez justement aider les autres leur permettre de stabiliser leur situation. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il va falloir réellement écouter vos intuitions, vos convictions, vous battre pour pouvoir réussir. J'ai ce sentiment très fort que les Verseaux ont toutes les qualités pour réussir, en tout cas durant ce mois d'août. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera et vous éclairera pour ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Lila Tarot. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous. Au revoir, ciao ciao les Verseaux.